Est-ce que tout va bien, lieutenant ? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien ? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Kamsky a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer ? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah. Je vous en prie, faites comme chez vous. C'est un RT-600. Amanda. Le premier androïde Cyberlife à réussir le test de Turing. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique, je te dis juste qu'elle est jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor ? Qu'est-ce que ça te fait ? Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamsky ! Un instant, je vous prie.
Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits, dotés d'une intelligence infinie, et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare, et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici.
Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré ? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. T'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? T'as peut-être fait le bon choix.